processus de décentralisation, c'est-à-dire clarifier les concepts, qu'est-ce que cela veut dire, aboutissant au phénomène de régionalisation, et de la régionalisation aboutir en fait à ce que représente l'autonomie des régions et ce que représente également le fédéralisme. Donc mon but n'est pas d'être académique, mais de clarifier au maximum ces concepts au niveau du public, au niveau des jeunes, de notre relève qui doit être formée, au niveau des gens qui se sentent interpellés, aux citoyens qui sont concernés par ces problématiques. Voilà. Donc je commence, le thème c'est décentralisation, régionalisation du système des autonomies au système fédéral, analyse comparative et étude de cas. Donc plus un pays est grand, plus on se pose la question comment le gérer. C'est-à-dire quand un territoire est immense, on peut se poser la question de la décentralisation et de sa régionalisation. L'organisation de collectivités intermédiaires, c'est-à-dire pour un transfert des compétences de l'État central, unitaire, vers des régions pour plus de développement, pour plus de participation du citoyen. On a constaté qu'un pouvoir dit unitaire central encourage le régionalisme. Il encourage les disparités et en fait, il provoque un contrôle de la société accru. Une décentralisation, une régionalisation peuvent aboutir au système des autonomies, au système fédéral, peuvent-elles être la source d'éclatement de l'État? C'est la question que nous allons se poser. Ou peut-elle favoriser un rapprochement des populations de l'État? Alors, je voudrais dire qu'on m'a reproché d'être un peu trop académique lors de la dernière conférence, mais il est difficile d'expliquer des concepts. En kabyle, je ne sais pas, malheureusement, en arabe, on va dire le mafahim, c'est-à-dire les concepts, les moustalahat, en termes simples. Il faut donner une explication scientifique, une explication théorique du concept. Qu'est-ce que la décentralisation et qu'est-ce que la régionalisation? La décentralisation est une démocratie de proximité. Quand j'ai terminé mon débat à la Maison des droits de l'homme, il y a un homme d'un certain âge qui est venu me voir et qui m'a dit, Madame, vous parlez de décentralisation, de régionalisation, et l'Ouahda Al-Wataniya, où est-ce qu'elle est? Je lui ai dit, c'est pas là le débat. Donc, le débat était posé en ces termes, malheureusement, les gens n'étaient pas informés pour pouvoir y participer à temps. Alors, pour moi, la décentralisation est une démocratie de proximité, c'est-à-dire faire participer le citoyen à la décision, avoir ses représentants au niveau régional, avoir ses représentants au niveau de l'État central, de l'État unitaire. Il s'agit de décharger les administrations centrales et de confier les responsabilités à un niveau plus adapté. Alors, quand on parle de régionalisation, l'exemple le plus proche qui nous vient à la tête, c'est la France. La France a fait un grand travail de régionalisation durant ces dernières années. Nous, on a hérité de l'État français, de l'État jacobin, unitaire, hyper centralisé. En ce sens, on pourrait prendre plutôt exemple dans l'avenir, dans un cadre de transition politique, vers un État plus décentralisé, plus régionalisé, en donnant plus de pouvoir aux régions, pouvoir économique. Alors la décentralisation, elle a une vocation essentiellement économique. Il y en a al-tariq essentiellement quand on dit décentralisation. Régionalisation, ça a un sens un peu plus stratégique, plus politique. Alors il ne faut pas confondre avec la déconcentration. La déconcentration par rapport à la décentralisation, c'est d'accorder plus de compétences, plus d'attributs aux responsables, à l'échelon administratif central, c'est-à-dire un wali, un préfet en France. Donc il y aura un peu un transfert de compétences. Je vais essayer d'être rapide et d'aller à l'essentiel, hein, de manière à ce qu'on puisse pouvoir débattre de ces questions.
Alors, c'est quoi une région? Il faut préciser que c'est une notion de géographie humaine. C'est une unité politique, administrative, c'est un espace défini avec des caractéristiques physiques, humains, climatiques, qui sont stables dans l'histoire. On peut dire par exemple la Kabylie, les Aurès, la région du Grand Sud, les Hauts Plateaux, sont des régions. Elles ont une spécificité géographique, humaine, une spécificité aussi climatique et historique. La régionalisation, c'est le fait de rendre régional, c'est-à-dire donner une région, donner une forme de pouvoir aux régions. Alors sur le terrain, par exemple, on peut, avec la régionalisation, aider à soutenir l'emploi, créer tout un vivier, créer toute une perspective d'emploi pour la jeunesse. Ça peut permettre aussi de revoir l'aménagement du territoire, le système de santé, le système de l'école également. Alors la régionalisation à l'autonomie locale. La régionalisation rencontre des obstacles. Elle apparaît comme une menace à l'unité de l'État, l'Wahda al-Wataniya. On entend par ici, par souveraineté, la capacité de l'État à avoir les moyens de mettre en œuvre une plus grande autonomie des régions vis-à-vis du pouvoir central. Elle a un statut politique spécial, elle délègue des pouvoirs tels que l'indépendance juridique, elle organise les collectivités locales. Alors c'est quoi une collectivité locale? C'est un regroupement d'individus, c'est une communauté dans le cadre de l'État centralisé unitaire. De la régionalisation à l'autonomie au fédéralisme. L'autonomie est la possibilité pour un territoire ou une communauté ou un groupe de s'administrer librement, comme une entité. Une entité, c'est une partie autonome, régie par un pouvoir central. Alors le droit est limité par la tutelle administrative ou constitutionnelle du pouvoir central. Alors par exemple, les secteurs de la culture, de l'éducation, du développement économique, de la santé, sont régis par la région, sont régis par le pouvoir de la région. Maintenant, la défense, les affaires étrangères, elle diffère, la monnaie, tout ce qui est mêlé, est régie par l'État central. C'est là où on voit que le transfert des compétences est limité. Alors, on a le cas de la Catalogne en Espagne, du Québec au Canada, du Pays Basque, de la Wallonie en Belgique, et de la Corse, etc., etc. En fait, l'autonomie est un des principes qui caractérise le fédéralisme, qui est basé sur la coopération, ta'awun, et la participation, le mutsharaka. Le fédéralisme est fondé sur le fait que le pouvoir de décision dans les domaines administratifs, législatifs, relève de ses compétences. Bon, on ne va pas revenir sur l'historique du fédéralisme, on le connaît. On a l'exemple, par exemple, du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, qui accusait le gouvernement en place de ne pas défendre les intérêts des régions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État fédéré? Un État fédéré a sa propre constitution, Dostor. Il a sa constitution. Elle répartit les compétences, les attributions. Elle garantit l'autonomie constitutionnelle et législative. On a l'exemple, par exemple, du Canada. On a l'exemple de l'Inde. On a l'exemple des USA. En termes simples, le fédéralisme est un système de gouvernement dans lequel les pouvoirs sont partagés entre le gouvernement central et la région concernée. Il y a une problématique ishkaliya dans la compréhension entre régionalisation, décentralisation, autonomie et État fédéral. Alors ça a projeté ces questionnements au débat au niveau des politologues, des spécialistes du droit constitutionnel, qui eux-mêmes n'y voient pas clair. Pour eux-mêmes, il y a de la confusion, parce que ces concepts adaptés sur le terrain sont très compliqués à gérer. Parce que le fédéralisme est un phénomène très, très, très fragile. Là, le phénomène de transition est très difficile. On peut résumer cela en une phrase.
Ensemble, nous défendons le droit d'être différent. Ensemble, nous défendons le droit d'être différent. Je vais passer rapidement pour passer au débat, à la conclusion et au cas d'étude. Alors, à la conférence d'Addis Abeba en Éthiopie, le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, a dit « Le fédéralisme est le socle sur lequel nous serons à même de bâtir une nation jeune et dynamique dans l'un des plus vieux pays de la planète. » Il s'agit de la 5e conférence internationale sur le fédéralisme organisée depuis 1988 par le Forum des fédérations, dont l'objectif est d'instaurer un débat, Nirkash, Hiwar, sur la question qui implique la société civile. Dans le cas de notre continent, les oligarques ont hypercentralisé le pouvoir afin de le monopoliser, d'exclure la véritable démocratie. Car au-delà des élections, la démocratie est de faire circuler le pouvoir, faire respecter l'état de droit, appliquer le principe des respects des droits humains, économiques, culturels, religieux, sociaux et autres. Alors je vais prendre 3 ou 4 cas d'études sur le terrain et on peut enclencher un débat sur ces questions. Alors, en Afrique, on a le cas du Nigeria. Self-government, parce que c'est une colonie britannique, dévolution de l'autonomie gouvernementale par la nation aux États fédérés. Ils ont une tradition anglaise. And home, la fédération a toujours existé, même à l'époque coloniale. Nous, on a eu le colonialisme français, on a hérité du centralisme jacobin. Maintenant, préférer un colonialisme à l'autre, c'est erroné. Tous les colonialistes se valent. C'est un cancer qui est inguérissable et qui se manifeste maintenant même en Espagne avec les tendances fascistes chez des minorités politiques. Un pays comme l'Espagne qui a vécu une véritable transition démocratique en passant du caudillo de la dictature de Franco à l'alternance démocratique. Le Nigeria, 40 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique, avec 36 États membres. Comment ? 40 millions, le Nigeria. Combien vous dites ? 140. Ben, je m'excuse, je me trompe. C'est la fatigue, hein, vous m'excusez. Maintenant, on prend le Moyen-Orient, on va aller très rapidement. Il y a Abu Dhabi, il y a Dubaï, bon, ça ne nous intéresse pas. On va passer au cadre de l'Irak, en tant qu'État fédéré. En 2005, les électeurs ont approuvé une constitution fédérale, mais l'absence de tradition de décentralisation et les tensions interconfessionnelles entre religions ont posé de nombreux problèmes. Donc en Irak, le fédéralisme est encore à l'état de mashroua, de projet. Indonésie, c'est le cas qui se rapproche de nous. Asie du Sud-Est, l'islam a connu une expansion là-bas sur 4 siècles. C'est un grand archipel avec des micro-fédérations. La géographie, la volonté politique des dirigeants ont permis la décentralisation avec des pouvoirs transférés aux régions. C'est le plus grand pays musulman avec 215 millions d'habitants, dont 90% sont musulmans. Là, vous n'allez pas me dire le contraire. Combien de populations en Indonésie ? En Indonésie ? D'accord. Shukran jazilan lutanmir. Bon, vous connaissez le cas de l'Indonésie, je vais passer là-dessus. L'Amérique latine, c'est un cas intéressant, il y a la Bolivie. Ça a été des dictatures militaires en Amérique latine jusqu'aux années 80-90. Pays pauvre, riche en gaz naturel, 37 langues qui ont été rendues officielles. Des réformes libérales en sont entamées dans les années 90. C'est un pays enclavé, donc il est très pauvre. Il est situé entre le Brésil, au nord-est, le Paraguay, au sud-est, l'Argentine, au sud, le Chili au sud-ouest, le Pérou à l'ouest-nord. Sa population est de plus de 11 millions d'habitants, catholiques et protestants. Le président Morales, gouvernement de gauche, socialiste, a été arrêté jusqu'en 2019, quand il a brigué un 4e mandat, l'armée bolivienne l'a démissionné. En 2005 a eu lieu la première élection préfectorale,
avec un référendum pour l'autonomie départementale et l'élection de représentants à une assemblée constituante. Les mouvements de Santa Cruz ont revendiqué la décentralisation. Il y a trois types d'autonomie régionale: départementale, régionale et indigène. Territoires indigènes originaires de paysans indigènes, notamment avec la terre Guarani, qui est très intéressante parce qu'ils ont eu leur autonomie, ils ont un régime démocratique avec des assemblées élues, et ils ont développé l'agroécologie dans le plan agriculture-économie. La région de Santa Cruz, qui est la plus riche et qui pose le problème de partage des ressources dans un pays fédéré, là où se pose la question de la solidarité régionale quand les régions deviennent fédérées ou autonomisées. Je termine. Pour les régions occidentales, on a l'Espagne. Après la dictature de Franco, il y a eu un processus de décentralisation, transfert des compétences qui ont mené à une véritable fédération. Belgique, autonomie culturelle avec la loi linguistique, 4 révisions de constitution, 70, 80, 88 et 93. 3 communautés, la Wallonie, le flamand néerlandais et la francophonie Bruxelles. Conclusion. Alors là, je conclue rapidement, on peut discuter après. On remarque que les États les plus prospères, les plus puissants, sont le fait non seulement d'une bonne gouvernance, mais d'un fédéralisme basé sur la solidarité régionale. Tawaun El Muntaqi. USA, Canada, Allemagne, Inde, Afrique du Sud, Suisse, Belgique, Inde, Indonésie. 40% de la population mondiale est organisée en fédération. 40%. Soit plus de 25 millions. Non, je ne dis pas de bêtises. Non, plus de 25 pays qui sont organisés au niveau planétaire en tant qu'État fédéré. Sur le terrain, en conclusion, il apparaît que l'hypercentralisation est source de despotisme, de sous-développement, de manque d'alternatives, de manque de leaders charismatiques et de manque de représentation de la volonté du peuple. Voilà, ça sera tout. Merci. Le débat est ouvert. Je peux vous parler en anglais, en arabe et en français, comme vous voulez. Mais vous pouvez parler en kabyle, on va traduire et on va discuter. L'essentiel, c'est l'échange. L'essentiel, c'est le partage. D'abord, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez compris l'intervention, la communication? Oulèche, non comprendo. Spicaro, parlare italiano, speak English, or tetahadestu billoga arabia ou la belfosha. Tout le monde a compris, ben, c'est magnifique. Ah, mais je ne suis pas la lumière, hein. Je ne suis pas la lumière de Bouzgan. Je suis simplement une contribution. Alors, j'attends vos questions, je note. Azul Fellem d'abord. Enchanté, oui. Bienvenue à notre région. On espère un jour qu'il sera une région avec son gouvernement, avec toute la Kabylie. Je vous entends mal, vous pouvez un peu éloigner le micro. On espère qu'un jour que la Kabylie aura son gouvernement. Comment? Bon, laisse tomber. Est-ce que vous croyez que la religion peut être un obstacle pour instaurer un État fédéral? Parce que les Algériens, c'est des dogmatiques. C'est, franchement, tout est relié à la religion, l'économie, la technologie. Et je peux en parler si vous voulez. Je réponds au fur et à mesure ou bien je réponds? Alors, vous avez une autre question à poser? Oh. Oh, God.
Bon, je réponds à votre question tout de suite. Comme ça, on passe au fur et à mesure aux réponses. Alors, bon, est-ce que la Kabylie... est-ce que la religion est un obstacle pour organiser un État fédéré? Non, ce n'est pas un obstacle. Vous avez l'exemple de l'Indonésie que j'ai cité tout à l'heure, qui est un État fédéré. 90% de la population est musulmane. C'est l'État musulman le plus peuplé du monde. Et l'organisation fédérale marche très bien, elle fonctionne très bien. Sauf que ces dernières années, monsieur, il y a une tentative du pouvoir militaire de décrédibiliser le pouvoir civil. Comment ? Alors, ils ont joué sur la carte islamiste. Donc, en faisant jouer au niveau des élections une non-représentation des islamistes au Parlement, ce qui a provoqué de la violence et ce qui a eu des réactions au niveau social et économique également. Il y a aussi les pressions du FMI, le Front Monétaire International, qui est utilisé par le pouvoir en place pour diminuer les subventions sociales et créer une instabilité économique. Donc, ça jouait sur le phénomène de transition démocratique. Voilà. Donc, on a un exemple de l'Indonésie où on voit qu'il n'y a pas une incompatibilité entre islam, entre religion et fédération. Absolument pas. Alors, mon point de vue est très simple. Moi, je pense qu'un grand territoire, immense comme notre pays, a besoin d'une très forte décentralisation. C'est la première étape, à court terme. Court terme, c'est sur 5 ans. Moyen terme, c'est sur 10 ans. Long terme, c'est sur 15-20 ans. À court terme, c'est la décentralisation qui est réaliste. Le waqa, c'est la réalité, il faut être pragmatique. C'est une décentralisation avec un transfert des compétences. Un grand pays avec 2 millions de kilomètres carrés, une côte de 1200 kilomètres, ne peut pas être géré convenablement avec un État centralisé unitaire. Il faut une décentralisation et aller vers une régionalisation, c'est-à-dire un transfert des compétences, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan santé, sur le plan de tous les plans qui font la spécificité d'une région. Voilà, c'est mon opinion. Alors, court terme pour la court terme, ouais, 5 ans pour ce qu'on appelle la décentralisation. Il faut compter sur un moyen terme de 10 ans, 5 ans pour la régionalisation et peut-être arriver à une fédération sur 10 ou 20 ans. Peut-être nous, on ne la verra pas, notre génération, mais peut-être les générations futures les verront. J'y crois, c'est une question de prospective politique. La prospective chez nous en sens politique, c'est-à-dire élaborer des scénarios à partir de faits concrets. Ce n'est pas la futurologie qui prédit l'avenir, le futur. C'est-à-dire à partir de faits concrets sur le terrain, donner des conclusions, élaborer des scénarios qui peuvent prêter à une prise de décision. Voilà, tout simplement. Autre question ? D'abord, vous êtes bienvenue à Bouzguen. Merci beaucoup, voilà. Beaucoup. Sahib. Merci beaucoup, ça c'est bien. La question que je voudrais vous poser, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de parler le plus... vous êtes à l'aise, vous parlez de régionalisation, de fédéralisme, et ainsi de suite, de décentralisation.
Et ben, il fut un temps où, si vous parlez de régionalisation, fédéralisation ou décentralisation, vous êtes appelé, pour ne pas dire traité de raciste, de régionaliste, de tout ce que vous voulez. Non, agent du CIA. Aujourd'hui. Non, agent du CIA. Voilà, exactement. Main de l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise parce que, ici, dans ce local, ça remonte à un bon bout de temps où on parlait de régionalisation, de fédéralisation, etc., etc. Est venu le jour où vous parlez à l'aise. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, est-ce que vous parlez de ça à l'université? C'est la première question. La deuxième question, que pensez-vous, c'est-à-dire, de notre gouvernement, sinon de nos responsables, étant donné que vous venez de dire qu'il y a des pays qui ont réussi par le biais du fédéralisme, du régionalisme, etc., etc. Pourquoi ils n'appliquent pas cette option pour l'Algérie? Bon, voilà, ouais, très bien, deux questions, c'est bon, ça suffit. D'accord. Bon, je réponds immédiatement aux questions, je ne veux pas qu'on perdure dans la théorie, le blabla. Bon, premièrement, on a un pouvoir, évidemment, qui ne va pas couper la branche sur laquelle il est assis. Il y tient, il s'accroche, il s'accrochera encore. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, c'est un travail de longue haleine, de pacifisme, le mouvement pacifique. C'est le Hira qui me permet de parler aujourd'hui au micro. C'est le Hira qui m'a permis de maturer sur la question. Il y a un an, je n'aurais jamais fait ce genre de conférence ou de communication. C'est la révolution citoyenne, c'est le mouvement citoyen. Et c'est l'action de Bouzguen aussi, qui rayonne. On entend parler du café littéraire à Alger, on en parle de Kamil Daoud est venu donner une conférence, Amin Jaoui, bien d'autres personnes également. Maintenant, pour la deuxième question, moi je pense que tout est question d'aborder ces questionnements où je suis à l'aise aujourd'hui, parce que je crois fort en la transition démocratique. J'y crois fort et je pense que c'est une question de temps. Il faut organiser des débats, il faut faire participer la femme, le jeune, les personnes moins jeunes, plus âgées, il faut organiser des forums. Au niveau de l'université, je vous réponds, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'université. Ils ont massacré l'université avec l'arabisation. Il n'y a jamais eu de débat réel. Je assume et je le dis au micro. Maintenant, au niveau de tout ce qui est société civile, il y a moyen de faire avancer les choses et il y a moyen également de discuter de ces problématiques. Voilà. Iskaliya, comme on dit à l'université. Iskaliyat à Tariqa Démocratia, Intiqaliya et tout également. Voilà. Autre question? Oui? Azul Flam. Azul. Je ne vois pas comment envisager le chemin ou des perspectives pour y aller vers une autonomie ou vers une régionalisation. Dans l'Algérie de 2020, il y a un délai d'opinion. Actuellement, il y a des gens qui croupissent dans les geôles du pouvoir pour avoir exprimé une opinion. Moi, est-ce que il y a ces débats contradictoires sur l'autonomie, sur le fédéralisme ou l'indépendance, est-ce qu'on peut vraiment les débattre ailleurs qu'en Kabylie? Merci pour la question, elle est très pertinente, elle nous concerne tous, elle nous interpelle. Moi, je crois que c'est dans le cadre de la transition politique, dans le cadre de la révolution citoyenne, dans le cadre de la Deuxième République, que toutes ces questions ne seront plus des utopies, mais une réalité. Qui aurait cru que le 22 février se déroulerait? Même pas les grands think tankers américains, que ce soit le Brookings Institution ou que ce soit les grands rent corporations de la Californie, n'auraient prédit le 22 février. Ils nous surveillent, on est dans leur collimateur. Ils savent ce que nous faisons et ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la démocratie chez nous. Eux, ce qui les intéresse, c'est le business. Et moi, je pense que tant qu'il n'y a pas de transition,
tant qu'il n'y a pas de Deuxième République, tant qu'il n'y a pas avancement du mouvement citoyen, ces questions resteront théoriques. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité. C'est tout. Comment je n'ai pas répondu? Mais moi, je ne suis pas ailleurs, je n'ai pas le dent du but cuisé. J'ai pas, moi, je suis à Alger, je suis à Tizi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas fantomas qui vole partout et qui voit ce qui se passe. Je vous donne ma contribution en tant qu'universitaire, modestement. J'essaie de, d'ouvrir le débat sur la question. Mais ne me prêtez pas des compétences que je n'ai pas. Merci. Voilà. Oui. Voilà. Donc, à propos du moment que vous avez parlé du Harak, il me semble qu'il a jusqu'à maintenant gardé sa nature spontanée. C'est-à-dire que c'est un mouvement spontané qui n'a pas jusqu'à maintenant exprimé ouvertement un projet ou une démocratie ou autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas défini ni démocratie des Schultz, ni transition des Schultz. Le Harak n'a pas exprimé ouvertement une idée de régionalisation. Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas se méprendre là. Là, l'objectif, je peux exprimer une opinion, je peux clarifier des concepts, hein, le moustalahat, le mafahim, comme on dit à l'université. Je peux discuter de certaines questions, mais faire un débat partisan ici, je ne suis pas ici pour être recruté. Désolé. Autre question? Madame, bonjour. Bonjour, bienvenue ici. Je voulais savoir, il y a récemment une prof kabyle qui travaille à Biskra. Elle a été, comment dirais-je, sanctionnée à cause qu'elle ne veut pas porter de foulard. Voilà, elle lui a obligé de porter le foulard à l'école. Et l'autre cas, c'est des enfants, à 10 ans, quand ils sortent à la récréation, l'enfant, il est interdit de voir l'autre fille. Je voulais savoir... Pardon, votre... l'enfant, lui, hein? Enfin, un garçon, interdit de voir, de se retrouver avec des petites filles à la récréation. Au lycée. Voilà. Ça s'était passé au collège. Je voulais savoir votre avis sur ces phénomènes qui se passent ces jours-ci en Algérie. Interdit de... Où ça, au lycée? Où ça exactement? À Batna. Bon, écoutez, il y a deux points. D'abord, ça c'est des faits divers. C'est pas parce qu'un petit croupillon de chef de service a interdit l'utilisation de... ou a voulu imposer le foulard, que vous allez en faire un drame national. On va pas mélanger les pinceaux ici. Deuxièmement, la mixité, c'est un problème de choix idéologique. C'est un choix idéologique, c'est un choix qui est adapté selon les régions. On a une régression extraordinaire, sortie de l'espace kabyle, la grande Kabylie, et peut-être du centre, la capitale. Il y a une régression, il y a une intégrisation totale du territoire national. C'est pas la peine de se voiler la face, que vous alliez à l'est, à l'ouest, au sud. Il y a une régression réelle qui est sur le terrain. Donc moi je pense que c'est la faute des démocrates. Ils sont pas sur le terrain. Ceux qui font du travail, c'est les intégristes. Les démocrates, c'est les réunions de salon, c'est le travail sur la côte, dans les complexes touristiques, dans les camps de toile. Et qu'est-ce qui travaille dans les marchés, dans les écoles, dans toutes les régions, que ce soit les Aurès, les Hauts-Plateaux ou ailleurs, ce sont les intégristes. C'est la mouvance islamiste radicale dure qui travaille.
Et cela se voit au phénomène même des réactions qui sont nouvelles dans l'espace scolaire, qui est scandaleux et qui ne provoque aucune réaction au niveau de la société civile, comme l'exemple que vous avez donné maintenant, et qui devient un fait divers. Voilà, c'est tout. Bienvenue dans notre région. Merci beaucoup, Tenme. Voilà, j'ai entendu dans votre débat l'exemple d'un pays de l'Amérique latine, si je ne me suis pas trompé. L'exemple de la Bolivie. Voilà, oui. L'Amérique latine. Mais pourquoi on ne cite pas un pays arabe? Pourquoi on ne cite pas un pays maghrébin? Mais elle encore. Pourquoi nous avons des problèmes des pays des tiers-monde? Parce qu'il y a des grandes nations qui bénéficient de notre richesse. Et merci. Alors, vous avez l'exemple du Moyen-Orient, on a l'exemple des pays arabes. Vous savez que Abu Dhabi, Dubaï, sont des pays fédérés. C'est d'une fédération. Dubaï, les pays du Golfe arabo-persique, sont organisés en fédération. Donc, je n'ai pas voulu les mentionner parce qu'il me semblait que le cas de la Bolivie, de l'Espagne, était plus, du point de vue démocratique, était plus représentatif de la transition à la démocratique. C'est tout. C'est pas par... Ah, maintenant, pour l'Irak, oui. En Irak, il y a un mouvement fédératif, mais il y a énormément de conflits religieux. Plus la présence américaine, toutes les questions géostratégiques dans la région. Pardon. Voilà, c'est bon? Oui? Bonjour. Bonjour. Alors, on va passer un petit peu à la vitesse supérieure. Oui. OK? Pourquoi vous dites OK, on va passer à un stade supérieur? On est à un bon stade, là. Non. Je ne me sens pas à l'aise. Ah, ben c'est votre problème. Ah ben. C'est pas notre problème. Justement. Personnellement, je suis très à l'aise. Ah ben, je suis content d'être à Boulogne. C'est vous qui êtes aujourd'hui à la table avec le fédérateur. Donc, c'est à vous un petit peu d'apporter un diagnostic pour nous satisfaire un petit peu. Hein. D'accord, je vous écoute et je note. Vous ne venez pas en conquérante et nous ne sommes pas là pour vous déchoir. J'ai pas compris. Bon, je passe à l'autre phrase, je pose ma question. C'est-à-dire, j'ai dit ça, c'est pour prendre un petit peu le pouls de la salle. On le montre à chaque conférencier qui vient. Billy, il est en face de presque des retraités en enseignement. De presque Des retraités. Des retraités. Moi, je suis retraité. Écoutez, ne me coupez pas, si c'est pour déstabiliser, vous ne réussirez pas. Alors, soyons comme du tac au tac. J'ai enseigné, mes élèves attendent à ce que je finisse ma phrase pour poser les questions. Très bien, monsieur, je prends note, je vous écoute. Alors, prenez un stylo si vous voulez, ou attendez que ma question soit finie. Vous avez parlé tout à l'heure en incluant dans le système que vous devez développer le mot musulman. Est-ce un phénomène qui peut se glisser dans la décentralisation ou autre chose de semblable? À mon avis, ce n'est pas un mode de vie. Ça, c'est en première question dans votre petite analyse. La deuxième chose... Pardon, je m'excuse, je n'ai pas compris clairement ce que vous avez posé comme question. Je passe le micro à quelqu'un, il va vous poser des questions. Après, je reviendrai. Vous permettez? Non, vous continuez ça. Je préfère que vous continuez. D'accord. Mais je n'ai pas compris la première question. Vous avez parlé de l'Indonésie. Oui. Alors, je vous cite maintenant. Vous avez dit que c'est un pays qui nous ressemble. Et j'attendais en quoi que ça nous ressemble, à part un petit peu le faux semblant qu'on se ressemble quand même, où ça? À la tache noire que nous avons sur le dos. Les musulmans, tous les deux. Vous n'avez donné aucun paramètre en ce qui concerne ces deux pays qui se ressemblent. Pourquoi, comment et pourquoi réussir une décentralisation? Comment réussir
un fédéralisme ou comment réussir autre chose, et nous allons y aller, nous allons pousser le bouchon. Je ne suis pas du MAC, voilà. Mais je pose quand même la situation du MAC. C'est un phénomène de vie, c'est une demande populaire. Aura-t-elle droit de cité ? Maintenant, vous avez répondu tout à l'heure à la question de mon ami, le professeur Boussel. Vous avez dit, moi je pense ainsi. On aurait voulu que quelqu'un qui est plus instruit que nous développe sa réponse et nous dire quels sont les paramètres sur lesquels il se repose pour aboutir à une synthèse qui est telle et telle pour le choix d'un mode de vie de génération. Sinon, c'est comme ça qu'on a fait des pays en faillite. Alors, je ne sais pas, il y a un amalgame que je ne comprends pas entre la régionalisation et le fédéralisme. Vous n'avez pas parlé comment ils vont vivre. Vous avez dit que l'Algérie est un pays vaste, à 2000 km², c'est vrai. Il y a aussi le phénomène qu'il se dégage, le nord et le sud. 2000. 2 millions, 300 et quelques. Alors, il y a le sud qui n'est pas très habité. Il y a le sud, il n'est pas habité du tout. Il y a le nord qui est habité. Certes, on doit diviser au nord. Comment doit-on diviser au sud ? Ne sera-t-il pas plus judicieux de garder une centralisation en ce qui concerne le sud pour essentiellement ses ressources minières et souterraines et fédérer le nord par rapport à sa politique, par rapport à son social, par rapport à son économie? Comment faire les zones de compensation? La Kabylie est trop montagneuse pour être riche, a dit Robert Barra. J'ai de la pierre à exporter à Blida, mais je n'ai pas d'orange à donner à mes Kabyles. Comment fera-t-on, madame, si on ose, je ne dirais pas cette régionalisation, ou bien vous avez opté pour une décentralisation? Quand on fait une décentralisation, automatiquement, il y a une recentralisation, surtout des facteurs politiques. Pouvez-vous, dans tout ce magma que je vous offre, m'éclairer, s'il vous plaît? Monsieur, là, vous avez organisé une autre conférence, je vous remercie. Je vous laisse ma place, avec plaisir. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Comment ? Une autre question ? Non, je vais répondre rapidement à la chose qui m'accroche. Le reste, je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, ça déplaît. Ce n'est pas le but de la conférence, ni de la communication. L'Indonésie, je n'ai jamais dit qu'on était comme l'Indonésie. J'ai dit que c'est une communauté musulmane comme la nôtre, très importante, la plus peuplée du monde, avec une fédération qui s'est organisée à partir d'une dictature militaire. Donc j'ai pris ça comme exemple parce que c'était le plus proche. Maintenant, il y a énormément de distinctions. Pour la question du MAC, je respecte leur choix. J'admire leur courage, même si je ne partage pas l'opinion. Comme dirait Voltaire, je suis prêt à accepter de vous voir exprimer librement vos opinions et à mourir pour, même si je ne les partage pas. Ce n'est pas Voltaire texto, mais c'est à peu près le même message. Maintenant, je vous invite à donner une conférence la prochaine fois, je viendrai avec plaisir. Alors, quelqu'un d'autre ? Bonjour, monsieur le Flem. Bon, moi, j'ai une question en trois parties. La première, c'est si on met en pratique le fédéralisme ou la décentralisation, est-ce qu'on se retrouve automatiquement avec des régions autonomes en termes de différentes régions, en termes de justice? Justice, service de sécurité, ça veut dire chaque région aura sa propre police
à l'image des États-Unis. La deuxième, comment s'organise l'économie, c'est-à-dire surtout la richesse, la répartition des richesses, comme vient de le soulever M. Xi, notamment en Algérie, les richesses pétrolières dans un système fédéral. Et la troisième question, c'est j'aimerais bien enlever l'ambiguïté et la confusion. Quand on parle de régionalisme, certaines personnes pensent au séparatisme. Ils confondent entre fédéralisme et séparatisme. Si vous pouvez nous enlever cette ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est très clair. La décentralisation a une vocation économique. On accorde plus de pouvoir, par exemple, l'aménagement du territoire. En ce qui concerne la régionalisation, c'est avoir plus d'autonomie au niveau institutionnel. En général, c'est organisé par voie de référendum, avec une constitution locale et avec plus d'attributs, plus de compétences. L'autonomie, alors ça, c'est carrément une voie qui, comme en Espagne, comme pour la Catalogne, c'est une région qui a son propre système de santé, d'école, d'aménagement du territoire, d'écosystèmes. Donc, il y a des pouvoirs différents. Moi, je pense que votre problème, ce n'est pas au niveau du contenu théorique, c'est au niveau de l'oreille, oui, linguistique. Comme je ne parle pas en kabyle, malheureusement, les conditions historiques ont voulu que je ne l'apprenne pas la langue. Ma mère, elle a oublié de me l'enseigner, elle est de Vgayet. Elle a oublié, tout simplement. Moi, je pense qu'il est important que vous organisiez entre vous des tables rondes. C'est plus proche, c'est plus interactif et de discuter de ces questions. Monsieur qui a très bien intervenu, il peut vous faire une conférence. Vous pouvez inviter d'autres personnes encore qui sont spécialistes en droit constitutionnel, spécialistes dans ces questions et qui peuvent animer les débats parce que ça nous concerne tous. C'est l'avenir de l'Algérie. On est tous interpellés. Tenemert. Je vous pose la question. Pourquoi nous parler à nous sur des problèmes tels que la régionalisation, la décentralisation et le fédéralisme? Moi, je pense qu'il faut convaincre les gouvernants. Banaliser ces choses-là. Ah, vous allez convaincre le gouvernement d'analyser ces choses-là. Les gouvernants. Les gouvernants. Et comment? Mais ils ne parlent pas de ça, eux. Ils parlent d'autre chose. Bon. Tandis que nous, la base, en particulier la Kabylie, ça fait des millénaires qu'on est décentralisé, madame. Il y a la maison, Aham. Il y a la famille, il y a le village, il y a l'arche et il y a le pays. Ça fait des millénaires qu'on est décentralisé. Justement, ils ont centralisé, je me rappelle, moi, dans nos villages, il y a la décennie 70, on a installé le comité de village en nom du FLN. Et que notre tradition, ce n'était pas comme ça. On oblige quelqu'un à devenir président du comité de village. Donc, au lieu de parler à des gens comme nous, il vaut mieux parler à d'autres régions, à d'autres gouvernants, pour apprendre la décentralisation. Alors, je m'excuse, non, je veux lui répondre maintenant. D'abord, premièrement, monsieur, c'est clair. On m'a invité à donner cette conférence. Ce n'est pas moi qui l'ai proposée. D'accord ? Qu'on soit clair là-dessus. Deuxièmement, les comités, j'avais cité dans la conférence l'exemple des Djemaa, dans les villages, c'était un phénomène de régionalisation antérieur au concept. C'est-à-dire, était antérieur déjà au phénomène de régionalisation, la Djemaa, au niveau du village. En Kabylie, vous êtes déjà autonome, quelque part, dans la tradition, du moins, du pays. Donc,
pour revenir à l'organisation des départements, vous n'allez pas demander au pouvoir de casser la branche sur laquelle il est assis. Il va venir vous parler de fédération, il va venir vous parler de régionalisation, il va venir vous parler d'autonomie, il va vous... Non, soyons sérieux. Ce n'est pas le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Maintenant, ce que j'aime bien, je vais clore la conférence avec ça, je vais terminer avec ça, c'est qu'il aurait été utile de garder la forme d'organisation des six wilayas de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire les six wilayas historiques, qui représentaient vraiment la spécificité régionale du pays, que ce soit la wilaya 1, la wilaya 2, la 3, la 4, le centre autonome d'Alger, oui, et la cinquième avec l'Oranie, et la sixième avec le Sud. Ça, c'était déjà une forme de régionalisation authentique qui respectait la spécificité des régions. C'est tout. Voilà, je termine et je vous remercie. Alors, M. Hamou, on a terminé. Ah, vous voulez poser une question? Comment? Donc, elle est venue pour clarifier ces concepts, parce que c'est des concepts quand même assez lourds. Quand on parle de décentralisation ou bien de l'autonomie de des fédérations, autant il y a un substrat commun ou bien quelque chose qui les lie, mais il y a des différences entre l'autonomie et la décentralisation et le fédéralisme. Il y a quand même des différences. Moi, j'aurais souhaité que les uns et les autres apportent des questions sur les différences pour comprendre mieux comment on peut passer d'un système à un autre. Donc c'est l'objet. En fait, d'habitude, nous avons dans ce genre de thématique l'intervention des hommes politiques. Des hommes politiques donc, qui ont un regard plutôt subjectif. Ils sont là pour vendre leurs produits. Je suis autonomiste, je vais venir pour défendre l'autonomie. Mais ce qui est bien, c'est que les universitaires intègrent le débat public pour clarifier ces concepts. Les concepts d'autonomie et régionalisation. Je ne pense pas que la conférencière est venue pour apporter des modes d'emploi de comment y aller. Elle apporte les modes d'emploi pour clarifier, parce qu'on ne peut pas avancer dans le débat public sans clarification. On a toujours reproché à l'élite d'être à l'écart du débat public, mais quand elle vient, on lui demande... elle a des choses qu'elle ne peut pas apporter. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue à titre partisan. Elle est venue avec son background, elle est venue avec son capital intellectuel, son capital université, pour nous apporter des éclairages. Et l'exemple de l'Indonésie, elle est passée à la Bolivie, mais tout ce qu'on est en train de discuter, c'est que ces processus d'organisation d'État, que ce soit en Bolivie ou en Indonésie, c'est des processus historiques. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité dans un pays centralisé pour passer vers un État décentralisé. Ça a été le cas de l'Espagne. L'Espagne, c'était un pouvoir centralisé. La Bolivie, kiff. L'Indonésie, c'est la même chose. Et il y a aujourd'hui une conjoncture au niveau de notre pays qui a une forme de réappropriation des citoyens de l'espace public. Il faut poser ces questions. Est-ce que le modèle sur lequel nous sommes assis en tant qu'État est celui qui correspond le mieux à l'Algérie d'aujourd'hui? Il y a aujourd'hui des courants politiques et des idées, des intellectuels, des citoyens anonymes, lambda, qui disent qu'il est possible d'aller vers autre chose. Et il y a aujourd'hui des variantes. Est-ce que c'est la décentralisation? Madame Bouara, elle a dit, peut-être qu'il faut passer par étapes. Step by step, décentralisation, autonomie, peut-être fédéralisme. Mais il faut qu'on bien comprenne, c'est vrai que la Kabylie, qui est l'exemple de... c'est une entité où il y a des formes d'autonomie traditionnelles. Chaque village était autonome. Et dernière, il y a une forme de fédération avec la Harach, je l'ai dit plusieurs fois. Même ailleurs. Hein? Même ailleurs, ça existe. Mais quand on va aller vers la structure de l'État moderne, il faudrait savoir que le fédéralisme, c'est le
c'est la forme d'État la plus évoluée. La plus évoluée, parce qu'il y a des mécanismes de négociation permanents. Vous allez discuter avec maintenant nos amis, nos frères qui sont au Canada et qui sont au Québec. Vous allez voir en fait que les discussions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, eh ben c'est des batailles quotidiennes. Des batailles quotidiennes, parce que c'est des batailles de compétences, c'est des batailles de ressources, de la recherche de ressources. Donc c'est le fédéralisme, c'est le sommet. Le summum de l'organisation de l'État, parce qu'il donne la possibilité... Oui, Hamou, je vous interromps une minute, pour une meilleure participation du citoyen à la prise de décision. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas que les élites qui participent, il y a le citoyen de base qui participe. Les élites ont montré leur échec, leurs limites, elles sont nécessaires pour la réflexion, elles sont nécessaires pour le consulting, mais ce n'est pas elles qui agissent sur le terrain. C'est aux citoyens de participer. On a l'exemple en France avec la régionalisation qui a été opérée depuis Gaston Defferre, où maintenant c'est les populations locales qui participent en choisissant leurs élus, qui vont décider du programme de l'hôpital, de l'école à construire, de la cantine, du CEM, du programme universitaire, de la langue qu'on va utiliser. Comme en Bretagne, les Bretons voulaient imposer la langue bretonne à un moment donné. Pourquoi n'imposeriez-vous pas le français ou le tamazight ou un bilinguisme à l'école à Tizi Ouzou, à Bougie ou à Batna, selon le cas? C'est ça, concrètement, sur le terrain, la décentralisation et la régionalisation, en termes imagés. Voilà. Je vais terminer par donner un simple exemple. En Suisse, par exemple, 100 000 signataires, une pétition de 100 000 personnes peuvent changer la Constitution. Voilà, quand on passe vers des systèmes décentralisés comme la Suisse. Mais ce n'est pas une signature. Le fédéralisme, c'est un mode d'emploi, c'est une recette de cuisine. C'est un processus, c'est un travail quotidien de citoyens et d'articulation avec les institutions. Donc, moi, je remercie pour terminer Mme Bourara. Elle a apporté un certain nombre d'éclairages. J'espère. La dernière fois, c'est Mouhdou Salimi, Mouhdou Amar. Il a apporté son éclairage. J'espère que Taouine Nayagin a discuté avec Mouhdou Al-Qbaïl. Attendez, on va terminer une minute rapide, je m'excuse, avec monsieur, mon confrère, conférencier, modérateur. Il a dit pourquoi est-ce que le Hirak n'a pas posé la question, l'Ishkaliya, la problématique de la régionalisation, de la décentralisation. Pourquoi aucun débat dans le cadre du Hirak n'est organisé? Et ça, on vous reporte la question. Vous avez le temps d'y réfléchir, d'y répondre et d'organiser chacun d'entre vous des conférences ou des forums. Sur ce, je vous remercie. تنمير الصوت ثقيل انت مليت تنمير النون ارتكلت النظام صحيح